prevents us all from killing you and taking what we want. If you had spoken such insolence to Jabba, he'd have fed you to his menagerie. Please, speak freely. Et bonjour, c'est le cinéma de papa pour un retour sur la série Boba Fett, enfin le livre de Boba Fett, qui vient de se terminer aujourd'hui sur Disney+. C'est une série spin-off de The Mandalorian qui était sortie il y a 2 ans et qui suit les aventures du fameux Boba Fett que l'on connaît depuis L'Empire Contre-Attaque, personnage créé par George Lucas, et repris ici par Jon Favreau qui est au scénario pour la série en entier. Et à la production, on retrouve Jon Favreau, Dave Filoni et Robert Rodriguez, donc les têtes pensantes de la dernière saison de The Mandalorian. Et il faut savoir que moi, je suis très fan à la base de l'univers Star Wars. J'adore les 6 premiers films. J'ai beaucoup aimé la saison 1 et 2 de The Mandalorian. Et j'aime bien aussi tout ce qui a trait un peu à l'univers étendu. J'ai plus de mal avec ce que fait Disney pour les films. J'ai bien aimé quand même Rogue One. Individuellement, j'ai bien aimé chaque film de la post-logie, mais j'ai trouvé, comme beaucoup, que les films se suivaient très mal, que les choses avaient été mal préparées, certainement. Mais, en tout cas, du point de vue des séries qui ont été proposées sur Disney+, depuis maintenant 2 ans, j'avoue que jusque-là, je n'avais pas été déçu. J'ai trouvé que, justement, ils avaient retrouvé l'esprit Star Wars sans forcément vouloir à tout prix se rapprocher de la trilogie originale comme ce qu'avait fait J.J. Abrams, où son usage des maquettes était un petit peu, je sais pas, manquait un peu de sincérité. Je trouvais que dans la démarche, c'était un peu trop appuyé pour se distancer un peu de la prélogie. Là, au contraire, j'avais trouvé que Mandalorian et certains aspects aussi de cette série de Boba Fett font le pont, justement, entre la prélogie, la trilogie originale, et englobent un peu tous les fans avec eux. Donc voilà, ça c'est pour mon appréciation de Star Wars. Quant au personnage de Boba Fett, je l'ai toujours trouvé assez cool, c'est vrai, comme tous les spectateurs hein, qui l'ont découvert dans la trilogie originale. C'est vrai qu'il était un peu mystérieux, il était un petit peu taiseux, donc c'était, il en imposait. Mais voilà, il m'a jamais non plus fasciné au point d'en attendre plus. Donc la prélogie déjà avait répondu à quelques questions sur son passé, en nous montrant qu'il était le clone non modifié de Jango Fett. Et donc voilà, on avait un background qui me semblait être suffisant pour caractériser le personnage. Son retour dans la saison 2 de Mandalorian était plutôt cool, parce que même si on l'attendait un petit peu, c'était voilà, ça s'inscrivait un petit peu dans une la trajectoire de Din Djarin, le personnage de Mandalorian. Et pour le coup, voilà, ça m'avait fait plutôt plaisir même de le revoir dans l'armure, de revoir voilà son retour au combat et tout. Mais à la fin de la saison 2 de Mandalorian, quand ils annoncent justement ce fameux livre de Boba Fett, j'étais un petit peu je trouvais pas ça très nécessaire en fait. Et pour cause, la série pour moi est presque complètement ratée, parce que bon, il y a 7 épisodes. Les 4 premiers épisodes sont structurés de la même manière, à savoir qu'on va explorer le présent de Boba Fett, comment il va prendre la main sur la pègre de Tatooine. On le suit voilà dans des conversations, dans des sortes de réunions, dans des sortes de rencontres avec différentes personnes de pouvoir, et c'est assez peu passionnant en vrai. En plus de ce présent, on a un flashback qui explique son parcours entre l'épisode 6 de Star Wars, Le Retour du Jedi, où il avait été avalé par le Sarlacc, comment il est sorti du Sarlacc, et comment de là il est arrivé là où on l'a retrouvé dans la saison 2 de Mandalorian. Donc l'épisode est structuré, chaque épisode est structuré de telle manière que les flashbacks interviennent quand Boba est dans une cuve à Bacta, quand il est au repos, quoi. Et généralement, l'épisode est coupé en deux, comme ça, voilà, entre le passé et le présent.
Et rien que cette structure-là, dès le deuxième épisode, c'est juste... c'est très répétitif d'une part, et puis en plus c'est très mal fait, c'est toujours le même plan, j'ai l'impression qu'il filme Boba avec son tuyau dans la bouche. Voilà, on a l'impression que c'est... c'est un peu monté à l'arrache, c'est un petit peu bizarre, même l'effet sur l'image est un petit peu dégueulasse. Et surtout, c'est très peu passionnant. En vrai, l'histoire est... l'histoire traîne des pieds, tout simplement. On suit Boba qui n'a même plus la même psychologie, j'ai l'impression que ce qu'on pouvait en attendre, en tout cas. Quand on voyait Boba Fett dans les films, ou même dans les séries dérivées, les séries animées, c'est un individu qui est violent, c'est un individu qui ne parle pas beaucoup, d'une part. La série l'a rendu complètement bavard, il arrête pas de parler, il parle tout le temps, et puis souvent c'est des phrases très bateau, du genre c'est une déclaration de guerre, des trucs comme ça, c'est vraiment... le personnage, toute sa caractérisation est balayée, donc maintenant c'est une sorte de bisounours qui ne veut faire du mal à personne, qui laisse une seconde chance à tout le monde. Alors c'est bien, dans les faits, c'est plus moral, on va dire, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un chasseur de primes de la trempe de Boba Fett. Il y a un vrai problème de caractérisation. Là, on serait presque tenté de dire que c'est l'influence Disney qui l'a rendu comme ça, ou est-ce que c'est son... Alors évidemment, c'est justifié un petit peu par son passage chez les Hommes des Sables, où il s'est un petit peu ouvert à une certaine humanité, même ça, c'est pas très bien montré. L'épisode 2 de la série est pas mal. C'est c'est l'épisode réalisé par Steph Green, qui lorne carrément du côté de Danse avec les loups, Le Dernier Samouraï, Avatar, Pocahontas, et qui s'inscrit bien, je trouve, dans l'univers Star Wars. Pour le coup, ça prend sens. Et puis c'est l'épisode où peut-être on a la meilleure réalisation, parce que en termes de réalisation, si c'est pas... C'est pas la joie, parce que Robert Rodriguez a réalisé l'épisode 1, l'épisode 3 et le final, je crois, le 7e. Et franchement, ça manque de rythme. Surtout l'épisode 3 est désastreux en termes de rythme. Dedans, on a la pire course-poursuite qui soit jamais apparue dans l'univers Star Wars. C'est mou, ça tient à peine debout, quoi. C'est vraiment... c'est tout ce qu'on peut reprocher, je pense, dans toute la filmographie de Robert Rodriguez, à savoir une certaine flémardise, hein, on peut le dire, une certaine un côté un peu bis aussi, qui revendique et dont il est fier, mais qui s'inscrit pas tellement bien dans l'univers Star Wars. Donc non, c'est pas fameux. Et surtout, alors bon, là je vais basculer plutôt en partie spoiler, parce que pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, faudrait quand même pas vous gâcher la surprise, donc spoiler. À partir de l'épisode 5 de la série, là ça devient n'importe quoi. Alors évidemment, c'est mieux, c'est bien mieux que les 4 premiers épisodes, parce que du coup à partir de l'épisode 5, nous suivons Din Djarin, donc le Mandalorien, de la série The Mandalorian. Donc, et là, on ne voit plus Boba pendant 2 épisodes, alors que la série s'appelle Le Livre de Boba Fett. On le voit très succinctement dans l'épisode 6, mais en fait, l'épisode 5 et 6 sont une parenthèse au sein de la série, où on va retrouver le personnage du Mandalorien pour qu'il vienne unir ses forces à Boba. Donc, sachant que ça aurait pu être fait, par un appel en hologramme, tout ça, mais là, en fait, on décide sciemment de parasiter la série sur Boba Fett pour arriver au Mandalorien. Alors moi, à titre personnel, ça me va, dans le sens où Din Djarin, je le trouve, pour le coup, beaucoup plus badass, beaucoup plus iconique que ce Boba Fett-là. Et je suis content de le retrouver, et je suis content de retrouver, Grogu, qu'on va revoir, de retrouver Luke, parce qu'on retrouve Grogu en formation avec Luke, de retrouver Ahsoka, tout ça. Donc... Tout ça, c'est des éléments très fanservice, évidemment, qui font la jonction, qui font toutes les passerelles entre toutes les sagas, entre la prélogie, la trilogie originale, même la postlogie. Non, ça, j'étais très content de le voir, mais à un moment donné, le fait de l'intégrer de cette manière-là
cette histoire dans le livre de Boba Fett, donc dans la série sur Boba Fett. Moi, je trouve que c'est un énorme aveu d'échec. Évidemment, ils l'ont pas tourné à la hâte hein, en se disant les réactions sur les premiers épisodes sont bof, donc on va... Voilà, non, c'est dès l'écriture, ils devaient, à mon avis, savoir que... ils ne devaient pas savoir, justement, quoi faire avec le personnage de Boba Fett. Ils étaient coincés, et du coup, ils se sont dit, écoutez, on va en faire une saison 2.5 de The Mandalorian. Donc, je trouve que c'est vraiment un cas d'école, parce que je crois pas, alors, j'ai pas vu toutes les séries du monde, mais je crois pas que qu'on ait déjà vu ça dans l'histoire des séries télé. Donc, ces deux épisodes, donc, il y a le cinquième épisode qui est réalisé par Bryce Dallas Howard, et le sixième qui est réalisé par Dave Filoni. Donc là, on sent vraiment, pour le coup, en termes de réalisation, un vrai souffle. Il y a des vraies idées de mise en scène, il y a des plans séquences, il y a des parties pris, voilà, un petit peu plus fouillées, un meilleur usage aussi des effets spéciaux. Parce que Robert Rodriguez, en termes d'effets spéciaux, moi, j'ai toujours trouvé qu'il... Alors, j'aime certains de ses films, j'ai pas envie de paraître pour quelqu'un qui détesterait Robert Rodriguez. J'aime beaucoup... Desperado, El Mariachi, tout ça. J'aime beaucoup aussi Une Nuit en Enfer, même si l'influence de Tarantino est certainement très présente. J'aime beaucoup aussi Sin City, bon, là c'est pareil, l'univers de Frank Miller est très détaillé. Battle Angel, c'est pareil, il y a celui de James Cameron. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est toujours assez encadré pour ses plus grandes réussites en tout cas. Et je trouve que c'est quelqu'un, en tout cas, voilà, pour revenir sur les effets spéciaux, qui ne sait pas forcément bien les gérer. J'ai toujours trouvé, par exemple, que ces Spy Kids étaient une horreur visuelle indéfinissable. Et dans certains plans, notamment dans le premier épisode, quand on a cette espèce de scorpion centaure qui sort du sable, on a presque l'impression d'être dans un épisode de Power Rangers. Donc c'est très particulier. Toujours sur la thématique Power Rangers, le choix aussi des 4 ou 5 là, jeunes avec des couleurs distinctes pour leur scooter, tout ça, je trouve que ça s'intègre pas du tout dans l'univers Tatooine. Pourquoi pas, à la limite, sur une planète comme Coruscant une planète un peu urbaine, mais là, dans le cadre d'une planète désertique, ouais, je trouve que c'est pas très beau, ça ressort mal en plus le traitement, et ça fait vraiment, encore une fois, Power Rangers. Donc les épisodes, oui, réalisés par Dave Filoni et Bryce Dallas Howard sont, pour le coup, bien mieux en termes d'effets spéciaux, de réalisation, même d'interprétation, parce qu'on dira ce qu'on voudra, Pedro Pascal en Mandalorian, même sans voir son visage, est beaucoup plus charismatique que ne l'est Temuera Morrison, qui ne fait que, justement, enlever son masque. Bon, pour le coup, c'est pas un Mandalorian avec un credo comme celui de Din Djarin, mais... Nous, en tant que spectateurs, on est habitué à voir Boba Fett avec un masque, avec son casque. Donc le fait de le voir toujours à visage découvert, au bout d'un moment, je trouve que c'est un petit peu con. D'autant que j'ai beaucoup de sympathie pour Temuera Morrison, je suis content que ce soit lui qui le rejoue, parce que c'était lui qui jouait Jango Fett dans l'épisode 2 de Star Wars. Mais je trouve que il est trop à la fois... Enfin, c'est très bizarre, parce qu'à la fois il est très monolithique, c'est-à-dire qu'il n'est pas très expressif, on va dire. Et à la fois, dans certains passages de la série, il en fait beaucoup trop. Dans les séries, par exemple, avec la danse tribale, à un moment donné... Bon, je comprends, c'est aussi ses origines maori, c'est quelque chose qu'il a certainement voulu aussi mettre en avant. Mais je trouve que, ouais, il a toujours ce sourire un petit peu figé, il est à la fois... dans la retenue, mais à la fois il en fait trop. Enfin voilà, c'est presque pas une erreur de casting, parce que ça aurait été compliqué d'avoir quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est difficile d'apprécier sa partition. En termes de casting, on a donc Temuera Morrison, on a Pedro Pascal, on a Ming-Na Wen qui joue Fennec, et qui est pas mal, mais du coup c'est pareil, c'est très répétitif, ces scènes sont très répétitives, elles donnent juste le change à Boba. Et donc, elle se contente juste de répondre, de le faire sortir des phrases. Bon, l'épisode de leur rencontre est pas mal du tout, pour le coup, c'est l'épisode 4, je crois. Enfin, en tout cas, ça a un petit peu d'intérêt. On a Danny Trejo qui fait une apparition, c'est normal, c'est le cousin de Robert Rodriguez, donc il est souvent dans ses productions. On a Rosario Dawson, du coup, qui reprend le rôle d'Ahsoka pour une apparition. Mark Hamill,
qui revient, bon, de manière rajeunie et tout, mais pour le coup, l'effet spécial pour son rajeunissement est beaucoup plus bluffant que dans The Mandalorian, parce que là, je crois qu'ils ont repris une technique de deepfake plutôt qu'un de-aging, donc c'est beaucoup plus convaincant. Il y a même des scènes où, franchement, c'est invisible. Donc c'est très convaincant. Mais voilà, on a Timothy Olyphant, qui revient pour le rôle de Cobb Vant, qui était dans The Mandalorian. Et enfin voilà, différents personnages. On a Amy Sedaris qui joue Peli, qui était aussi dans Mandalorian, et qui est assez insupportable. Voilà, je sais pas, c'était pas une impression que j'avais eue sur la Mandalorian, mais alors là, les épisodes dans lesquels elle intervient sont... Elle est très lourde, vraiment très très lourde. Et du coup, on a Corey Burton qui joue Cad Bane, parce que Cad Bane est dans la série, et son usage est très caractéristique justement de tout, enfin de cette manière d'envisager Star Wars. Du coup, Cad Bane est un personnage assez emblématique de l'univers étendu de Star Wars maintenant, puisqu'il apparaît dans la série Rebels, Clone Wars, même The Bad Batch. Et c'est un personnage qui est très aimé des fans, et qui, quand il est arrivé à la fin de l'épisode 6, en tout cas, bon, certains ont regretté qu'il soit pas assez bleu, que son design soit un petit peu, voilà. Moi, j'ai trouvé ça très classe. J'ai trouvé que c'était une mise en scène, bah, voilà, digne d'un western, voilà, c'est fait exprès, le parallèle est vraiment appuyé. Bah, son destin, du coup, à la fin de la saison, est complètement expédié. Il a 3 lignes de dialogue avec Boba et c'est terminé. Et je trouve que c'est tellement dommage de faire revenir un personnage comme ça dans un univers, au sein d'une production live action, et de le tuer au bout de même pas un épisode. Enfin, ouais, c'est tout cet usage en fait des personnages. J'ai l'impression que là où, contrairement à The Mandalorian, où ils savaient très bien respecter les personnages, où voilà, il y avait un vrai respect de l'univers. Là, c'est fait qu'à moitié. C'est-à-dire qu'on respecte évidemment le Mandalorien, enfin Din Djarin, on respecte Grogu, on respecte même Luke, tout ça, on respecte cette partie-là de la mythologie. Mais des personnages comme Boba, du coup, qui sont censés être qui est censé être un grand chasseur de primes, tout à coup, il se retrouve à être ridiculisé par un droïde dans une cuisine, à faire la course avec lui, tout le monde personne ne le respecte dans la série. Si on comprend bien qu'à la fin, bon, mais voilà, c'est pas bien dessiné. Pareil, à un moment, il y a des flashbacks aussi de Boba étant enfant sur Kamino. Finalement, à quoi ils servent dans la série? J'avais l'impression que ça pouvait nous amener éventuellement sur un traumatisme de jeunesse, qu'on aurait pu éventuellement même revoir Jango Fett dans des souvenirs. Même pas, hein, on voit juste le Slave One se barrer, et puis... Boba enfant qui regarde à la fenêtre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il était traumatisé par les allers-retours de son père quand il allait exécuter une mission? Ouais, c'est pas très convaincant. Et pour le coup, bah, toute la série, c'est un peu ça. On sait pas trop quoi faire des personnages un peu emblématiques, en tout cas dans cet univers des chasseurs de primes. Soit on les rend tout gentils, ou soit on les tue. Voilà. Et du coup, là, on se retrouve avec deux personnages qu'on aimait plutôt bien, Boba Fett et Cad Bane. Bah, l'un est mort et l'autre est devenu le Daimyo de Tatooine. Donc je sais pas s'il y aura une saison 2 à cette série, je crois vraiment que les mauvais retours risquent de tuer éventuellement une deuxième saison. Par contre, je pense qu'on reverra éventuellement Temuera Morrison dans le rôle de Boba à l'occasion, hein, dans d'autres productions, que ce soit dans la saison 3 de Mandalorian, ou dans la série sur Ahsoka ou quoi d'autre. Mais voilà, c'est une série qui a été très laborieuse, honnêtement. À partir de la saison 5, on la regarde finalement pour envisager la future saison 3 de Mandalorian. Et ça, c'est pareil, ça va être un problème, parce que là, Disney, enfin, Lucasfilm est en train de reproduire la formule du MCU, à savoir que chaque production est nécessaire pour comprendre la suivante. Voilà, on avait déjà cet exemple-là avec, fallait voir par exemple la série sur Loki pour comprendre tous les aspects de Spider-Man No Way Home. Bon, voilà, c'est ce type d'exemple-là qui est un peu pénible, parce que du coup, les gens qui n'ont pas forcément envie de regarder la série sur Boba Fett, du coup, vont être perdus au début de la saison 3 de The Mandalorian, parce que finalement, Din Djarin et Grogu reprennent la route ensemble,
dans un nouveau vaisseau. Et si les gens qui n'ont pas vu la série, le livre de Boba Fett, arrivent au début de la saison 3, ils vont pas forcément comprendre. Il y aura peut-être un résumé au départ, mais je trouve ça très dommage, en fait, de faire un univers partagé à ce point-là, qui devient, où tout devient nécessaire pour la compréhension. Je trouve ça, c'est un truc que j'avais déjà regretté sur le MCU. Et là, si sur Star Wars maintenant c'est comme ça, je sais pas. Je sais pas, honnêtement, ça va être compliqué de tout suivre. Donc voilà, c'était mon retour sur le livre de Boba Fett, The Book of Boba Fett, qui vient de s'achever douloureusement sur Disney+. Le final était pas mal, même si ça manquait un petit peu de peps, ou je sais pas, il manquait un petit truc. C'était peut-être juste des habitants, peut-être dans Mos Eisley. Mais c'était une série un petit peu douloureuse à regarder. Dans les points positifs, on pourra parler de l'épisode 5 et 6 de la série. On pourra éventuellement se dire qu'il y a des possibilités avec cet univers quand même d'un... faire des hommages à différents genres, comme là le western, que pour peu qu'un réalisateur ou qu'un showrunner décide de s'emparer de l'univers avec une vraie idée, ça peut le faire. Là, si Jon Favreau et Dave Filoni, tout ça, avaient eu des idées sur The Mandalorian, et j'en suis sûr qu'ils en ont aussi pour la suite, j'ai l'impression que là c'était vraiment une sorte de bouche-trou en fait pour caler quelque chose en fait dans l'univers Star Wars. Donc j'espère que la série sur Obi-Wan que j'attends avec impatience et qui est normalement prévue pour le mois de mai, j'espère qu'elle saura relever le niveau, même si j'ai quelques craintes parce que avant même d'exister, la série sur Obi-Wan est presque un retcon par rapport à ce qui a pu être dit dans l'épisode 4, le premier épisode de 1977, quand Obi-Wan et Dark Vador se retrouvent, ils sont censés ne plus s'être vus depuis 18 ans, et là, la série va les réopposer dans cette période, donc on va voir comment ça sera intégré, comment ça sera justifié, si on est capable de pardonner une incohérence, mais en tout cas c'est une série que j'attends beaucoup plus que j'ai pu attendre celle sur Boba Fett, puisque Obi-Wan c'est un personnage que j'aime beaucoup pour le coup. Donc voilà, on espère que Disney ne va pas tout saccager, et que ils vont retrouver le goût de produire des choses sur lesquelles ils ont des idées. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de la série, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, vos théories éventuellement pour la suite de l'histoire du Mandalorian. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.